Hello Attends, à tous. attends, j'ai un point de côté. Bon, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo qui est le ou la plus. Et là, j'ai une série de questions qu'on va poser et on va pouvoir... Je voulais le faire parce que sur TikTok, ça dure même pas une minute. Bah oui, c'est tac, tac, tac. Voilà, mais nous, en une minute, je pense qu'on serait battu sur la première question. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en long parce que sinon, ça allait pas passer, je pense. On commence ? Vas-y. Alors, qui de nous deux est le plus bordélique ? Ouais, moi aussi en vrai. Tous les deux. Mais moi, plus que toi, Yasmine. Ah ouais, tu trouves ? Ouais, ouais, parce que vraiment, en termes de bordel... Bah tant mieux. Je suis en flemmard pour le ménage, pour le truc et tout, donc... Ah, de ouf. Qui de nous deux est le plus drôle ? Ça, c'est moi. Ok, bon, on va rétablir la vérité. Parce qu'il y a pendant des mois, je t'ai fait croire que c'était toi. Je vais t'expliquer. De nous deux, qui rit le plus ? Mais moi, je suis un bon public. C'est pas la question. Qui rit le plus ? Toi. Non, non. Entre toi et moi, c'est toi qui rigole le plus. Oui, mais parce que je suis quelqu'un de joyeux. Mathématiquement parlant, ouais. Quand quelqu'un rit plus qu'un autre, c'est que c'est l'autre qui est plus drôle. Bah non, ça fait pour moi, tu vois, c'est... T'es pas drôle. C'est juste que moi, je suis un bon public. Comment tu peux dire que t'es pas drôle ? Mais moi, c'est je suis un métier. Bon public. Alhamdoulilah, c'est mon métier. D'accord, t'es drôle. Ouais. Pas plus que moi. Voilà. C'est vrai que t'es très drôle. Je suis tu trop me fais drôle. Énormément rire. Trop rire même. Ouais, tu me fais vraiment trop rire. Ouais. Mais celui qui fait plus rire l'autre, c'est qui ? Soyons honnêtes. C'est moi. Soyons honnêtes, Yassine. C'est moi. Donc ça veut dire que dans une journée, par exemple. Ouais. T'es mal... là, tu vois. Quand j'ai même pas posé la question et elle est en mode ouais, bah ouais, c'est, ça s'appelle de la mauvaise foi. Non. Bah si. Bah non. J'ai même pas fini ma question, tu dis ouais. Bah, je sais que c'est moi la plus drôle, il n'y a pas de débat à avoir. Question suivante. Non. Donc ça veut dire dans une journée, oui. Celui qui fait plus rire l'autre, c'est toi. Dans une journée classique. Alors attends, le plus rire, c'est toi. Donc c'est mais moi le plus drôle, c'est moi. Moi, mes blagues, elles ont de la valeur. Toi, elles sont creuses. Tu vois. Donc t'es teubé, tu rigoles pour rien alors. Ouais. Tu vois, je suis drôle. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, qui de nous deux le plus bavard ? Il n'y a même pas de débat. Yasmine. Ah oh ouais, alors là, non. Non, franchement. T'es sérieuse, toi ? Oh non. Qui fait ça tout le temps ? Qui parle tout le temps ? Mais que avec toi et maman. Mais on a dit de nous deux qui est le plus bavard. C'est toi. C'est je te parle pas en société. C'est en toi. Société, c'est moi. C'est... Oui. Eh ben, mais dans la vie, entre nous deux. Ah, entre nous deux. Oui, c'est vrai que c'est. Allahu Akbar. Heureusement que c'est what. Qui de nous deux parle le mieux anglais ? Moi, je parle mieux. Parle de mieux. Bon, j'avoue, faut que je vous explique cette histoire. On était à Londres, au Shake Shack. Et je voulais pas le menu, je voulais juste le sandwich. Et j'ai dit, pas de miel, pas de miel. Qui de nous deux chante le mieux ? Beyoncé. Beyoncé. Sérieux ? Vas-y, chante un truc. Oh ! Je suis toute seule quand je ride. Tu me regardes trop mal. Qui de nous deux fait le plus de sport ? Voilà. Aucun des deux. On connaît pas ce mot. Bon, je dirais moi parce que de temps en temps je vais au foot par exemple ou des bah, trucs comme ça. Non, ça compte pas. Le foot c'est pas du et sport. Et moi je fais de la marche jusqu'à la boulangerie. Hein. C'est du sport la marche. La boulangerie t'as 200 mètres. Hein. C'est moi, j'ai fait 18 ans de basket, j'ai fait de l'arbitrage, c'était je vais au foot avant, de temps en temps. Avant. Même là en ce moment c'est parce que les salles avant. De foot elles sont fermées. Mais qui fait le plus de sport, je suis désolé, excuse-moi, c'est moi. Entre 0 et 0,5, bah c'est 0,5 sur toi oui, qui gagne. 0,1. Oui, bah pas comme tu veux, mais en tout cas, je suis devant. Qui de nous deux est le plus gourmand ? Ah, ça c'est toi. C'est vrai. Oh purée, oh purée. Tu sais pas manger un Kinder. Oh, je sais. Hier, il y avait 3 Kinder dans la boîte. Elle m'a dit, ils sont où ? J'ai voulu dire, non, tu sais, j'ai dit, j'ai mangé les 3. Déjà, j'ai assumé. Mais je voulais dire, Zahma, tu sais, je voulais répartir entre la nuit et le matin en disant, j'en ai mangé un la nuit et 2 le matin. Ou deux... Non, je crois que c'était 2 la nuit et 1 le matin. Elle m'a dit, le matin, je suis venu, il n'y avait rien. Dit, bon, voilà. Qui de nous deux le plus sensible ? Moi ? Pardon ? Ah ouais, tu es trop. Sérieux ? Sérieusement ? C'est vrai. Merci. Alors là, frère, en termes de sensibilité. Je suis un homme sensible, oui, je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais Yasmine, frère, arrête. Hein. Dès qu'il y a le moindre truc.
Merci. Et c'est pas parce que t'es enceinte, t'as des hormones. Hein. Si. Non, même en dehors de ça, Yasmine. Ah ouais, tu trouves? Voilà, c'est bon, c'est l'arrête. Elle pleure de rire. Après, qui est le plus drôle, c'est elle. Hein. Vas-y, laisse. Ouais. Alors, qui de nous deux gagnerait au bras de fer? Bon, ça, je pense que... Bras de fer chinois, en tout cas, c'est moi qui gagne. Vous voulez commencer? Regardez. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Bah, vas-y, vas-y, pourquoi tu fais? Attends. 1, 2, 3, bras de fer. Regardez, regardez comment elle a fait. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Voilà. Voilà. Qui de nous deux est le plus sociable? Bon, ça, c'est moi. C'est toi. Ah ça, ouais, c'est grave. C'est pas un défaut, hein. Pourquoi tu me dis c'est toi? Non, mais parce que toi et moi sur ça, on est tout l'opposé. Donc c'est... Oui, c'est vrai que toi, t'es très timide, mais une fois que tu discutes, après, t'es oui, sociable, tu vois. Oui, mais t'es toi, pas insociable. Toi, t'es avenant, toi. T'es, oui, t'es moi, différent. Je suis extraverti, ça me ouais, dérange pas. Ouais. Qui de nous deux cuisine le mieux? Bah, là, c'est bah, toi. Ça, c'est moi. Waouh, quelle humilité. Bien sûr, of course. Qui de nous deux aime le plus l'argent? Franchement, aucun de nous deux. Ouais, franchement. Franchement, on n'est pas vénal, on n'est pas en mode l'argent, le matériel, etc. Et tout, on n'est pas comme ça. Donc en vérité, là. Sinon, je l'aurais posté sur Mime depuis longtemps. Qui, moi? Posté sur Mime? Qui va s'abonner? Qui va payer quoi que ce soit? Tes doigts de pied, ouais. Mes doigts de pied. Et déjà, ils payent pour moi des doigts de pied. Ça, c'est pas sur Mime, quand même. C'est sur un autre site d'horreur, le dark web. Le dark web. Mais je sais pas, c'est pas sur Mime. Alors, qui de nous deux danse le mieux? Sachant que moi, je déteste danser. Je danse rarement. Je danse partout sauf à mon mariage. Exactement, c'est ce qu'elle me... voilà, bien. C'est... t'as compris mon regard. Dans mon mariage, j'ai dansé. J'ai fait un slow avec toi. On a dansé quand même quand il y avait la musique et tout. C'est juste que je voulais pas qu'il y ait trop de musique dans le mariage. C'est pour ça que j'étais un peu gêné quand ça partait en danse alors qu'on avait dit non, mais c'est pas maintenant la musique et tout. C'est pour ça. Tu te rappelles? Et après, quand il y avait mes potes et tout, et que c'est parti en soirée dansante, là, j'ai dansé. Ouais, t'as dansé avec tes potes. Mais je danse avec toi, bébé, des fois. Bah oui, des fois. Oui. Mais comme tu danses trop bien, je suis intimidé. Je peux pas danser aussi bien que toi. Ah, tu te moques de moi. Regarde-moi, quand elle danse comme une vieille. C'est archi drôle, là. Elle fait des trucs comme ça, je te jure. Je dis, mais t'as quel âge, en fait? Donc non, franchement, ça va pas trop bien. Qui de nous deux le plus chatouilleux? Ah, c'est moi. Toi. Oui, c'est moi. Ah, lui? Hey. Je te touche. Non. Non, c'est... c'est vrai que dès qu'on touche ou qu'on... Non, arrête. Qui de nous deux est le plus lunatique? Non, il n'y a pas. Si toi, tu vas un peu des fois dans tes trucs perdus et tout. Ça n'a rien à voir, lunatique. Si, lunatique, c'est ça, c'est être un peu... parfois... Bah non, c'est les changements d'émotion. Oui, pardon. T'as dit lune, t'as pensé... Alors que je sais c'est quoi lunatique. C'est un mec qui change d'humeur du, ouais, du tout au tout des fois. Qui de nous deux le plus idiot? Ah bah, pas de question, hein. Ça prouve. On a la réponse juste avec... Qui de nous deux passe le plus de temps aux toilettes? Oh, merci. Me regarde même pas. Ce qu'il a fait sortir, c'est qu'elle a plus de batterie. On se dit la vérité. Jure, tu restes pas 40. Moi, je reste plus longtemps, mais tu restes plus longtemps que moi. Non. Oh, Yasmine, t'es sincère? Bah bien sûr, je suis sincère. T'as déjà dormi aux toilettes? Moi, ça m'est jamais arrivé. Quand j'ai dormi aux toilettes? Ton frère, il me l'a dit. Mais Jadot, il ment. Non. Il ment. Non, parce que t'as... Voilà, voilà. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit. Tu vois, t'as dormi aux toilettes une fois. Ça prouve à quel point tu restes longtemps aux toilettes. Ah, tu veux pas dire le contraire? T'es sérieuse? Voilà, c'est pas possible. Je me sens bien dans chaque... Ouais, bah oui, tu te sens très bien, mais... Qui de nous deux serait capable de faire Koh-Lanta? Moi, mais pas longtemps. Yasmine, pas une seconde. Non, les insectes et tout, je pourrais pas. Ouais. Donc, par contre, Pékin Express, ouais, ça, j'aime bien. Comme ça, l'autre man, il va dire aux gens, pas de mien. Dernière question qui ne figure pas, et c'est là où on va le plus se prendre la tête, je pense. Qui de nous deux est le plus têtu? C'est toi. Yasmine. Franchement... Hotman. Ouais. Tu veux que cette vidéo se termine bien? Menace, carrément. Non. Non, tu... Moi, je suis têtu et je suis borné. Vas-y. Toi aussi? Non. C'est le fond de têtu. Mais non. Têtu et borné, tu es têtu et tu es borné. Tu es plus têtu et borné que moi. Mais t'es culotté, Moi, je le dis que je suis borné, mais têtu, je l'assume. Mais t'es têtu et borné, même si on te dit non, tu fais. Non, mais moi, je suis... Oui, je l'assume. Et ben moi, non. Mais toi, tu l'es plus que moi. Non, déjà, non, déjà, non, rien non, que le non, fait non, de non, dire... Non, voilà. Je me défends parce que tu dis des mensonges. Rien que le fait d'être têtu, tu l'assumes pas. Moi, je l'assume. Mais je dis juste que tu l'es un peu plus que moi. Non, je suis pas têtu.
Mais têtu et borné, c'est quasiment la même chose. Je suis pas si têtu. Borné, non, je vais pas dire que je suis borné parce que je suis pas borné. Donc t'es ni têtu ni borné. Ni têtu ni borné. Moi, je suis normale. Elle est fausse, le têtu. Non, mais rien que l'histoire, par exemple, le canapé, viens, on change le canapé, par exemple. Oh là là, tu vas me la... Mais c'est vrai, c'est un exemple concret. Eh, il était minuit ou une heure du matin, je sais plus. On rentre de chez mes parents, je crois, un truc comme ça. Et elle me dit, j'ai envie de changer le canapé, de mettre ce canapé-là... de prendre le canapé de la chambre et de le mettre dans le salon. Je dis, ok, on fera demain. Non, mais j'ai envie de le faire maintenant. Franchement, je suis fatigué. Viens, on le fait demain. Non, mais j'ai envie de le faire maintenant. Je dis, ça change quoi qu'on fasse maintenant ou demain? J'ai envie de voir comment ça ressemble. Je dis, mais sérieux, viens, on le fait demain, ça sert à rien. Elle s'énerve. Elle va dans la chambre alors qu'elle est enceinte et commence à porter le truc. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, c'est bon. T'es enceinte, t'as pas à bouger le truc, vas-y, je le fais. Je l'ai fait et au final. Pardon, dis-le. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais. J'avais que... migraine de fou. Parce que si je ça sais que tué. Si je te force pas à faire la chose, elle va rester là pendant une semaine. Non, le lendemain, je l'aurais fait. Non. Si, le lendemain, je l'aurais fait. Non. Tu m'aurais dit, oh, j'ai pas la foi de porter le canapé. Alors que ça prend 3 minutes. Bref, ça m'a pris plus que 3 minutes déjà. Et non, j'avais une migraine de fou encore plus que ce que j'avais. Mais bref, après, c'est pas grave. Après, t'as pris un Doliprane, c'est passé. Bah oui, bien sûr, c'est passé le lendemain, frère. Bref, ce que je voulais dire, c'est que la têtu et la bornée, je le suis aussi, mais elle est plus que moi. Bon, bah, je vais vous dire au revoir. Au revoir. Parce que lui, je vais t'attraper, je vais te manger. À bientôt.